La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Un plaisir. Et on le fera encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité haïtienne aux États-Unis, manifestation haïtienne en New York contre ancien président Donald Trump avant rassemblement électoral dans Nassau Coliseum. En Haïti, gouvernement décrété 3 jours de deuil dans mémoire victime dans explosion camion gaz dans Miragouane. Et puis dans la région Moyen-Orient, plus précisément dans le Liban, chef Hezbollah Hassan Nasrallah reconnaît explosion mortelle qui fait dans Pedje à Kwakitoki. Dans ce moment, comme un gros coup, et il pensait Israël dépasser limite à travers opération ça. Et puis, gouvernement haïtien mettait sous pied un conseil électoral provisoire avec 7 membres en attendant que l'autre secteur décide de voir membres pour représenter dans l'institution électorale. Manifestation hier, manifestation haïtienne hier dans New York contre ancien président Donald Trump. Eh bien, il fait manifestation ça avant que ancien président Donald Trump ait gagné un rassemblement électoral dans Nassau Coliseum. Nous avons sous place Gary Altidor et Glorieuse Nelson. Nous, dans Long Island, New York, particulièrement dans Nassau County, côté ancien président Donald Trump, li a fait un rallye dans la date 18 septembre 2024. Les Haïtiens ont profité de rallye ça pour faire un rassemblement côté et a dénoncé différentes accusations qui tombaient sous doigt haïtien. Dernier jour, ça yo, comme quoi, ils mangent chien, ils mangent chat. Haïtiens qui rassemblaient là, puis ont dit non à discrimination, non à la haine. C'est une coalition de Haïtiens concernés qui rassemblaient pour permettre que rassemblement ça possible dans Nassau County. Truth is truth. Vérité après vérité. Lors de la vérité, il faut attendre. La communauté haïtienne, ensemble avec Alié, elle est réunie là pour faire la vérité. Et la vérité, c'est que Donald Trump a menti dans la déclaration de fait contre Haïtien. La vérité est que Donald Trump a menti. Haïti n'a pas fait. C'est le premier chose que je vais dire. Pourquoi ça a menti? Nous prenons soin de petit, nous prenons soin de maman, nous prenons soin de grand. Nous travaillons dans l'hôpital, nous servons, nous aidons le pays. Et puis je dis, c'est ça que nous méritons? Non. Je dis un seul bagaille. Nous méritons respect. Mettez respect des noms haïtiens. Nous avons eu la chance de parler avec plusieurs participants qui étaient présents dans le rallye. Nous avons souhaité que l'ancien président américain Donald Trump demande à la communauté haïtienne un pardon pour mentir à la mauvaise déclaration qu'il fait circuler sur eux. Ok, j'ai trouvé que si Trump vient boy ici à son côté gampé haïtien, c'était un slap in the face. C'était un dérespectant que tout haïtien te doit prendre la rue pour venir là, pour venir rencontrer Trump. Nous-mêmes haïtiens, nous bouquons, il faut suspendre l'haïssement ça. Il faut suspendre les mentir sur nous haïtiens. Il faut suspendre faire tout bagaille pour les démilier nous, pour les réduire nous. Il faut venir pour nous faire connaître qui est nous Haïti. Pour nous dire non assez, nous ne pas accepter ça encore. Pour nous révolter, pour nous demander Trump. Bah, nous respect que nous méritons parce que nous bel America, nous construisons America, nous faisons partie de la construction des Américains. Nous avons besoin de respect et nous besoin de pour nous dire I'm sorry, Haitians, for what it did. Moi, les Glorieuse Nelson, merci à Gary Altidor depuis New York pour La Voix de l'Amérique. Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela, Haïtien, Kemela. Merci Gary Altidor, merci Glorieuse Nelson. Il y a un pile d'autres réactions qui continuent à tomber sous accusation que qui tombait sous dos haïtien yo en parlant de communauté haïtienne dans Springfield, dans l'État Ohio et dans Washington même ou bien plus précisément dans Maryland. Et ben gain artiste qui yo même réagi dans occasion yon fait qui te gain par exemple gain Donald Z Théodore qui chanteur et Yves Joseph alias Fanfantibot qui c'est membre fondateur Tabou Combo, et bien, ils ont tous réagi sous situation haïtienne dans Springfield, dans l'État Ohio. L'IA, c'est dur côté que nous connaissons le moment ça. On paquette mon appétit pays contre eux-mêmes. Si tout bagaille était normal, là, quand nous, si nous t'es joué un travail, si nous t'as fonctionné, tout bagaille était normal, nous pas la partie quitter pays nous comme ça. Donc, tout le monde a déplacé en masse.
quitter pays nous. Donc c'est une première douleur liée déjà. Et puis mon yo fini, il y a passé construit tête yo. Il y a travail, il y a chercher place yo, il y a fait affaire yo. Il y a amélioré vie yo, il y a amélioré vie petit yo monde qui vient derrière et puis grosse accusation ça tombé sur yo. Yo nouveau dans environnement. Il va même comprendre ça qui passe là. Il va même comprendre pour qui ça, accusation ça. Donc, bagala serré tête frette. Qu'on est pour qui ça nous déplacer, qu'on est pour qui ça nous goumer. Fait ça tourner en force pour nous. Parce que il y a de bagala arrivé, il y a de challenge. C'est toute vie qui plein challenge, OK? Donc c'est surmonter. Surmonter, j'en nous capable pas décourager, pas quitter nous intimider par qu'il est genre de stéréotype ça, genre de mauvaise perception ça qui a essayé bailler de nous-mêmes et puis Kembe là, Kembe red. Parole ça saute dans bouche monde qui dit ça le vle, le vle, Jean le vle. Bon, en durée, monsieur son intouchable. Il fait ça le vle parce que monsieur fou, on dit américain dit, il throw everybody under the bus, le sali de deal. Donc, moi, c'est que haïtien, c'est le moment pour nous, et j'aime ça dit à l'heure pour nous, et montrer que ça y'a dit nous y'a, c'est pas ça nous y'a. Et parce que haïtien, son peuple, qui a venu ici depuis les années 1800, et haïtien, 10%, et docteur noir aux États-Unis, c'est haïtien, oui. Donc, on va bêtiser haïtien, à parler de haïtien, à manger chien, à manger chat, à manger et bête, à manger tout ça. Donc, moi, c'est que vraiment son insulte. Bah, ça, moi-même, je prends mal, d'ailleurs, nous faisons musique sous l'IASO. Nous pas manger chien, nous pas manger chat, nous pas manger bête. Donc c'était Yon après l'autre et Donald Z Théodore avec Yves Joseph alias Fanfan Thibault qui t'a réagi sous accusation contre haïtien surtout dans Springfield dans l'état Ohio. Actualité dans pays d'Haïti, n'a parlé dans Port-au-Prince côté gain réaction SPNH 17 sous dernière opération la police menait et Massado Vilmé gain détail. La conférence ça les bail journée jeudi 19 septembre 2024 là, porte-parole syndicat police là, SPNH 17 Gary Jean-Baptiste dit opération la police a mené dans foyer gang yo pa bay résultat si pa gen matériel li a cité yo. Jodi on pa ka faire opération pour combattre gang dans pays a sans que ou pa gen hélicoptère, sans que ou pa gen support aérien, sans que ou pa gen contrôle dans mer, ça relé contrôle maritime non. Parce que opération li de fait pour gen contrôle aérien, support aérien avec hélicoptère, drone. Et sous la mer, nous devons contrôler et pour nous capables d'opérer sous le plan terrestre. En opération, nous avons un plan d'évacuation en cas que nous avons un policier qui est blessé. De ce fait, nous dit, nous avons un hélicoptère, nous avons un véhicule et ambulance qui est là, qui est disponible, qui dispose d'un côté de manière stratégique pour transporter les policiers qui sont victimes dans le cas d'opération. De ce fait, SPN a demandé la police là. C'est SPN non, pour que l'opération soit plus bien organisée. Comme rappel, dans la dernière opération, la police, ensemble avec la force multinationale, a mené contre la gang depuis mois août passé. Des policiers déjà perdu la vie et plusieurs autres sont blessés. Plus loin, porte-parole syndicat police l'a demandé pour la loi appliquée pour les policiers qui ferment la garde à vie. Pendant le fait qu'on ait une enquête qui a mené tout sous arrestation inspecteur police, Livenson Gauthier, 13 septembre passé. Il faut faire que le commissaire. Li participer nan yon, sa rele on assassinat. Hein? C'est un moun yon assassiné et commissaire machine ni de sous place, etc. Dans cas ça, SPNH a mené enquête sur lui. Pour qui ça? Parce que yon bataille qui a fait là, sous terrain. La presse de Connell, côté yon bon chef qui était à l'étranger, pendant qu'on mène la mouvine de jeu, yon retourne. Il y a maintenant une grosse bataille pour venir bosser. Dans le cas du commissaire Gauthier, il a regardé le cas de près parce que il y a un pile d'informations qui t'a fait quoi? C'est des conflits internes qui fait que le cas de côté lié. Et nous-mêmes, au moment opportun, nous avons regardé la presse pour nous dire qui ça lié, qui ça nous joint. Toutefois, habitants de la commune Taba ont manifesté pour faire connaître le commissaire Gauthier agir dans l'intérêt de la sécurité. N'a empêché gang craser barrière vite l'homme innocent à diriger envahi commune nan. VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours dans Port-au-Prince, toujours dans le pays d'Haïti, 4 jours après, yon camion gaz explosé dans Miragouane. Mais dernier bilan, protection civile, il parlait de 27 morts à 42 blessés. Correspondant nous, Steven Aristide, visité quelques victimes dans Médecins sans frontières qui trouvaient dans la commune Kafou.
4 jours après un camion citerne a explosé dans Miragouane, selon dernier bilan protection civile, incident ça a fait un total 27 morts et 42 blessés. À mercredi, nous avons passé visiter quelques victimes qui ont pris soin dans le centre de traumatologie Médecins sans frontières qui trouvent dans la commune Kafou. L'Enes Pétion, qui est une victime qui a fait connaître, lui fait mieux par rapport à Jean Lité avant. Il était tout profité de retracer l'histoire pour nous. Passé, nous avons passé son moto. Ce n'est pas seulement que victime, nous avons petit moins. Qui n'a pas ça tout. Nous avons passé, nous avons pas le fond des nègres, Bouissou. Nous avons eu l'air. Et bon, passé. C'est bon, ça a passé. L'air a frappé. On voit un seul bon à frapper. Un seul bon à frapper. Ouais. Il frappe un bon ça. Ouais, bon ça va grand. Hein. Responsable centre Médecins sans frontières qui est dans Kafoua, Rita Magando fait connait. Il a reçu 22 victimes qui prend soin car ont nécessité dans plusieurs centres dans capitale pays. Basically, là nous t'es arrivé sur place, right nous t'es fait un triage, nous t'es fait comprendre tout patient qui a venu dans l'ambulance. C'est pour ça nous t'es demandé aide pour être capable venir à quelques patients. Yon l'autre côté, Kenol Thomas yon l'autre victime déclaré. Li gen petit yon cousin qui boule et qui mouri sal pa même get arrivé l'hôpital. Li continue pour le dire, li gen deux voisins li tout qui mouri. Chita yon a gende monsieur qui mouta, ah Kenol, mon machine gaz yon man ouwa, ou pas regarder. Mais c'est un ma privé comme ça, devant tête machine nan. Bon, dis tout éclat en bas, mais le pire ou dis ça éclaté. Je ne suis pas un courrier. 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 Dans un conseil des ministres qui était fait hier mercredi 18 septembre, le gouvernement Gaïkoni l'a déclaré. Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 septembre, c'est journée d'ay. Dans mémoire victime explosion camion citerne qui était faite dans ville Miragouane samedi qui était 14 septembre 2024 là. Moi c'est Steven Aristil depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Aristil et depuis quelques jours là, gagné un conflit entre Calico Beach ou bien en Digicel plutôt avec Calico Beach, eh ben gouvernement finalement en parlant de conseil présidentiel transition, eh ben entrer dans la question, nous parlons des détails avec Yves Manuel. Depuis plusieurs jours, Digicel et responsable Calico Beach yo nan ou nou sous accès à un site stratégique qui héberge fibre optique qui est essentiel à bon fonctionnement centre données opérateur télécommunication ça. Différence a entraîné une panne internet qui affectait plusieurs utilisateurs à travers pays. Situation prend un tournant côté Madian, Leslie Voltaire, conseiller présidentiel convoqué une réunion en urgence avec acteurs télécommunication yo qui gen la donne Digicel Natco Konatel avec ministère travaux publics. Réunion ça a été pour objectif joindre solution rapide à panne critique ça. Face à impasse ça, gagné policier et un juge de paix qui accompagnait technicien Digicel qui dépêchait sur place. Objectif là c'était permettre à équipe là gain accès à site là pour capable faire réparation qui nécessaire. Selon une source proche conseil présidentiel transition, exécutif là envisageait déclarer site en question comme zone utilité publique en raison de importance infrastructure pour sécurité nationale. Depuis 14 septembre, il y a plusieurs abonnés Digicel qui signalaient perturbations qui gagnaient dans le niveau connexion Internet. Pendant une intervention publique, semaine ça, directeur général Digicel, Jean-Philippe, exprimait frustration face à refus responsable Calico Beach pour autoriser accès à site pour réparer câble qui endommagé. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Oui, ou toujours sous VOA Creole, on suit un programme dans la langue créole haïtienne. Actualité internationale là, dans un petit moment. Oui, ou sous VOA Creole, yon presse libre. Important actualité internationale ta communauté annoncé le merci d'esco toujours été branché et ben dans région Moyen-Orient chef Hezbollah Hassan Nasrallah li reconnaît explosion mortelle qui fait dans Pidgin avec walkie-talkie pendant semaine là et ben c'est un gros coup et il dit que Israël dépassé limite à travers opération Sahel Sandra Lemaire.
Leader Hezbollah a déclaré une série d'attaques qui visait appareil communication groupe là, c'était un gros coup qui traversait une ligne rouge. Hassan Nasrallah, dirigeant Hezbollah, s'est menté jeudi pour groupe là continuer à attaquer Israël chaque jour malgré qu'aucune attaque Israël sous appareil communication lio. Lui dit, nous prend au coup sévère, mais c'est comme ça la guerre a conflié. Nous connaissons l'ennemi, nous, gain supériorité. Et nous pas jamais dit rien qui passe à. Il y a une supériorité dans la technologie. Parce que c'est pas seulement Israéliens qui a attaqué nous, mais tout gain Américain avec l'Occident, avec l'OTAN, avec tout. Hezbollah a tiré drone sur Israël mercredi à jeudi matin. Dans sa semblé aussi que groupe là a géré attaque contre Israël pendant le conflit israélo-Hamas là. Hamas, c'est un allié Hezbollah. Ministre défense israélien Yoav Gallant dit que Hezbollah va payer un gros prix dans le moment Israël a cherché faire citoyen lio passer sous frontière pour tourner la caillou. Même dans les jours acharonim, sidra shel dionim chashuvim. Le dit pendant jour qui passe, nous avons gagné une série de discussions importantes. C'est une nouvelle phase dans la guerre, qui donc a une opportunité, mais tout gagne un risque. Hezbollah sentit que nous avons persécuté et la séquence d'action militaire a continué. Galanti, l'objectif, c'est assurer que même communauté a retourné la caillou. N'a pas rappelé que dans une opération que en pile monde quoi c'était travail Israël plusieurs centaines beepers à walkie-talkie que Hezbollah t'a utilisé t'a sauté au moins 32 monde mouri parmi eux 2 timoun et puis 3000 blessés. Pendant ce temps, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a visité Paris t'a parlé sous conflit Liban pendant une conférence pour la presse à Tokaili Stéphane Séjourné. There is a real problem that needs to be resolved when it comes to northern Israel and southern Lebanon. L'idée est un vrai problème qui doit jouer une solution concernant Nord-Israël et Sud-Liban. C'est le fait que depuis 8 octobre, Hezbollah a tiré canot sous Israël et puis Israël répond à Taksayo. Population, tous les deux pays, sont obligés de courir quitter Kayo. Nous tous, t'arrêmes, ouais, on tourne la Kayo. Et pour sa fête, faut gain sécurité. La France avec les États-Unis croient dans ça à toute force, nous. Et nous travaillons ensemble pour résoudre le conflit avec diplomatie et puis nous cherchons à joindre un accord qui t'a créé conditions de sécurité pour Mounio tourner la caillou. C'est ça que nous avons discuté aujourd'hui. Assemblée générale l'ONU exige pour Israël suspendre présence injuste dans Gaza et Cisjordanie. Anissa et puis demander pour gain sanctions et puis un embargo aux armes sous pays. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Et puis, visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le pays de la France. Retenue, attention, Marie-Luce Pierre. Après les fils rencontrés avec l'autorité pays d'Égypte, secrétaire d'État américain Anthony Blinken est averti sous risque qui a grandi pour conflit augmenté et après une série d'explosions Hezbollah qui a été saisi région 1. Nouvelle explosion a été pétée dans un moment gros diplomate américain qui a voyagé dans la ville Caire pour rencontrer gros autorité égyptienne qui était espéré avancer et fort pour sécuriser un accord cessez-le-feu dans Gaza et puis améliorer relations avec l'Égypte. Blinken a dit pendant la visite dans le pays de l'Égypte qu'il était concentré sur sécuriser un accord cessez-le-feu qui apportait un calme dans la situation qui est dans la frontière nord-Israël avec le Liban et que toute partie concernée était d'accord à 15 sur 18 paragraphes qui gagnent dans l'accord. Dans ville Caire, Blinken a rencontré avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et ont discuté non seulement sous conflit à Gaza, mais tout sous effort pour améliorer relations bilatérales entre États-Unis et pays l'Égypte. Autorité pays l'Égypte ont joué un rôle important comme courtier chita parlé en Hamas avec Israël. Blinken rencontré avec le ministre des Affaires étrangères de la France, Italie et Grande-Bretagne pour discuter sous Moyen-Orient avec l'Ukraine avec l'autre problème dans la ville Paris jeudi à, d'après sa une autorité département d'État t'a dit. Blinken pourra le rencontrer tout avec président français Emmanuel Macron, toujours d'après autorité. Marie-Luce Pierre, VOA Creole, Washington.
Merci Marie-Luce Pierre. Nous prenons l'actualité électorale là ici aux États-Unis. Règlement pour contrôler la parole sur Internet là. C'est un thème, quel que soit candidat qui remportait l'élection novembre ici aux États-Unis, a bien pour considérer. Jean-Robert Philippe dit nous tout, parmi G Foyo, c'est modifier section 230, loi 1996 là. Jean-Robert, donc ça veut dire son loi que, mais quel que soit le monde qui montait, que c'est Kamala Harris ou bien ancien président Donald Trump, il y a bien pour considérer selon loi ça. Oui, effectivement, et loi ça, quel que soit c'est démocrate ou bien c'est républicain qui monte, eh bien, il pas gain pour faire face avec lui. Mais grand pile qui étudie Jacqueline cap déroulé pour que et compagnie et qui gain et plateforme ou bien qui gain médias sociaux pour pas utiliser médias ça yo pour mettre babouquette soit sous candidat yo même ou bien tout électeur yo même. C'est là que qui étudie et c'est j'ai force à cap fait pour si on capable éviter problème ça avant du tout. Would you like now to est-ce qu'on t'a présenté excuse pour ce faire? Si il y a un bagage côté deux grands partis politiques dans le pays, Antonio, démocrate et républicain, c'est que compagnie médias sociaux doit changer façon d'opérer. Quel que soit candidat qui a emporté course pour Maison Blanche en novembre, semblait prêt à poursuivre l'objectif cela. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré non pas gagné un pays libre si n'a pas gagné liberté la parole. Sous site internet équipe campagne parti républicain, candidat a fait qu'on est premier amendement constitution États-Unis garanti droit liberté la parole. Quelques compagnies médias sociaux violent droit ça. Après attaque 6 janvier 2021 sur local Congrès américain, ancien président est tombé en bas interdiction temporaire pour pas poster message sur quelques sites médias sociaux. Ancien président Trump déclaré on my inauguration as president, immédiatement après mon fin prêté serment comme président, moi préalablement des Congrès pour déposer une proposition de loi qui a révisé section 230 loi ça pour faire gros plateforme en ligne suspendre mettre babouquette sous monde. Section 230 là fait partie loi 1996 sur ça qui acceptable dans communication qui c'est un élément fondamental dans processus pour établir internet nous connaît journée aujourd'hui. It actually empowers platforms to be able to moderate. Wendy Noniki, directrice laboratoire politique technique dans l'Université de Californie à Berkeley, déclaré, loi ça a vraiment bail plateforme yo pouvoir pour yo capable modérer et puis retirer texte sans aucun risque pour yo t'apporter responsabilité pour ça. Jodia, nous tant des paroles qu'a parlé comme quoi plateforme ça yo violé premier amendement constitution. Cependant, premier amendement appliqué seulement laisser gouvernement cap supprimer la parole. Plateforme Sayo, c'est une série de groupes privés et comme groupe privé, il y a un droit que premier abonnement en bas. Tu as une série de tentatives qui t'est faite pour essayer de réviser section 230 de loi, mais qui t'est échoué. Après suspension qui t'est bloquée contre médias sociaux trompés en 2021, Floride à Texas, des États républicains t'ont voté proposition de loi pour limiter capacité de compagnie médias sociaux pour superviser discours politiques sous site Payo. Mais loi ça yo te suppose en 2024 les cours suprêmes États-Unis ont décidé que compagnie média yo gain droit pour prendre décision sur ça qui passait sur plateforme yo sans gouvernement pas mêlé dans ça. En 2022, vice-président Kamala Harris a lancé un comité dans la Maison Blanche pour discuter sur problème là. Dans un message sur suspens, Kamala Harris déclaré hate Raïsman so vient tellement courant sur Internet là que société noire vient nous relier tout à fait normal et que quelques utilisateurs qui a dit que gagne quelques paroles que n'ont pas qu'à éviter. Pour qu'on y a, doit compagnie médias sociaux y'a gagné pour contrôler articles qui a passé sous sitio, y'a été en place. Mais pour un pile politicien et citoyen, question a pas semblé dissoudre pour jouer une solution. Jean-Robert Philippe, Vera Creole, Washington. Et puis, qu'on a ce jeudi, nous pourrons passer dans Parole Femme et puis, inviter nous aujourd'hui à ce docteur Marie-Flore Lindor, la tortue.
Docteur Marie-Flore Lindor La Tortue, yon professionnel haïtiano-américaine, yon spécialiste en éducation et dans leadership, yon leader communautaire, t'es trouvé le parmi 2700 délégués qui confirment le choix Kamala Harris, Tim Walz, pendant la Convention nationale Parti démocrate à Chicago, État Illinois, comme candidat pour président et vice-président dans l'élection novembre. Ça tournait presque yon habitude pour Docteur La Tortue pour participer dans la Convention Parti démocrate là. C'est troisième convention, moi, et moi là. Parce que faut que nous là, faut que d'abord nous pas jamais faire back à pratique démocratique là. Et moi-même, moi on démocrate depuis 20 ans. Et bien moi continuer et moi présent. Moi fait 2008 Obama, moi fait 2016. Américain d'origine haïtienne de plus en plus présent dans la politique américaine nan, côté chiffre a augmenté en termes de quantité délégués dans seulement convention parti démocrate là. Nous sortis de 3 à 8, son gros progrès là, tout état Floride là, nous présents et nous excités que nous capables participer le processus là. Et dans toute convention yo, honnêtement Franklin, pour moi même ça c'est le plus belle. Et pas belle non, elle est plus important parce que convention ça n'a défend démocratie. Pour Obama, personne pas de expérience. Tout le monde t'a parlé de espoir. Pour Hillary, nous t'a cherché pour une forme de nomination. Mais à soya, la fête, à soya, pas de menti, la fête qu'on a, n'a fait histoire là quand même, n'a en tant que délégué permettre que gagner une femme d'origine noire, une femme d'origine asiatique, qui pour venir premier président des États-Unis. Comme délégué pour parti démocrate là, docteur La Tortue lui-même conseiller pour moun kap voter, connaît pour qui ça a jeté en bulletin, que c'est pour parti démocrate là, que c'est pour parti républicain. Moi même là m'a voté, me connaît me voter pour femme, pas vrai? Me voter pour droit femme. Les m'a voté, moi voter pour éducation. Ça veut dire que m'ta remé que tout petit monde gagne droit à éducation. Les m'a voté, moi voter diversité parce que m'pas capable moi sortir en Haïti et puis pour moun yo penser c'est parole seulement gagne droit. Ça veut dire que me voter inclusion, diversité, femme et puis me voter éducation. Ça veut dire que c'est vote moi oui qui pour faire que moun nan m'a mettre sous pouvoir, définir sa voix m'vle. Et l'el pa bali tout ou déjà connaît m'nan manifestation m'dé chougel. Pour docteur La Tortue, ça qui passe dans convention Chicago, c'est un symbole rassemblement, c'est une pratique démocratique qui t'a doué représenter un modèle pour le pays d'Haïti. Moi, je voulais haïtien, frère, je vais garder un exemple. Premier jour, ou gagne Joe Biden, il fait une passation de pouvoir. Deuxième jour, ou gagne Obama à toute madame. Troisième jour, ou prend Bill Clinton. Qui de nous-mêmes n'a fait pratique ça? Pratique de rassemblement de nos présidents, de pratique d'éviter corruption, pratique de faire pour nous gommer, pour liberté, pour voir nous, pour protéger sa constitution en mandé. Docteur Marie-Flore Lindor La Tortue, yon professionnel haïtien américaine. Voilà, c'était Parole Femme, yon, et segment qui passait chaque jeudi à l'ESA sous VOA Creole. Nous avons dit que dans l'actualité a tout gagné leader opposition vénézuélien Edmundo González Urrutia, candidat qui était fait face à président Nicolas Maduro dans l'élection 28 juillet, qui dit hier mercredi 18 septembre 2024 là, il était obligé signer une lettre pour accepter une décision pire au tribunal Venezuela qui reconnaît Maduro gagner élection 28 juillet 2024 là. Et puis un gros artiste en parlant de PDD, eh ben lui-même la justice mettait accusation criminelle sous dol, eh ben la justice américaine décrit un coup trafic sexuel. Nous va gagner plus détails dans une l'autre édition et que rendez-vous info. Nous disons merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Pas oublier jeudi, c'est jeudi, demain c'est vendredi. Donc nous déjà presque arrivé dans week-end là. Nous disons merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous et puis suivre et pas oublier suivre VOA Creole parce que nous gagnons l'autre surprise pour nous encore parce que à partir de lundi, n'a quitté Studio 4 et n'a non l'autre studio. Et n'a pas plus de détails sous question ça parce que année 2024 là, c'est une année électorale ici aux États-Unis, mais son année de surprise tout, dans VOA Creole qui toujours voulait offrir ça qui est bon.
Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions tout le monde. Bah, connaissez si c'est The Great Starling qui est là ou bien Franklin. Et puis Starling, The Great Starling, merci. Et puis Rob McLean Zameno, merci. Et puis Jean-Marc Hervé Abela. Et puis Fred Gaimit, posez net. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Donc, rendez-vous demain pour l'autre rendez-vous. Nous connaissons déjà, Zami Eternout Nouyo, que c'est une véritable obligation qu'on va être nous, à chaque fois que nous demandons pour que et pour nous capables d'analyser ça qui est comme information. Nous dit que la police nationale d'Haïti, parce que ce n'est pas nous qui avons fait, c'est eux qui gagnent le public. Yo mettez dehors sous page officielle yo, sous page officielle yo, pour dire que dans quatre opérations que la police a mené, yo t'a démantelé, yo t'a crasé plusieurs cailles dans niveau la saline qui te conservé comme cache-cache libé bandi yo, pour attaquer APN, pour attaquer camion, conteneur qui a sorti en dedans APN. C'est ça que la police fait qu'on est. C'est ça que force de l'audio, il fait qu'on est dans la page officielle de la police nationale d'Haïti. Et il mettait cette vidéo dehors. Kounia n'a dit que, entre ça la police dit, hein, avec peut-être si tu as des témoignages, qui ça qui kembe comme vérité? Mais puisque la police rend public un ensemble de vidéos qui montrent que les policiers sont en opération, sont en mode opération, qui donc nous-mêmes, nous capables de chiter sous ça et pour nous parler, pour nous dire exactement. Mais qui sa situation les mêmes liées. D'après la police, on dit bien. D'après la police nationale d'Haïti, pas d'après nous-mêmes. Parce que c'est eux-mêmes qui mettaient information publique. C'est eux-mêmes qui mettaient information au dehors. Et le fait que mettaient information publique, ils mettaient information au dehors, eh bien nous-mêmes comme journalistes, nous-mêmes comme directeurs d'opinion, nous n'est que pour nous n'est pour devoir partager ça avec nous comme information et puis analyser yo et faire comprendre plus bien ça qu'a dit yo et faire comprendre plus bien ça gagne comme information yo. C'est travail moi ça que désir venez. OK. C'est aller chercher information côté lié hein et puis porter le ba nous. Aller dans vrai source là, aller chercher dans source normal là et puis porter le ba nous. Ça, c'est travail moi avec Désir Venesse. Et je dis, hein, les nous venons avec ensemble de informations, ça y est. Les nous venons avec ensemble de détails, ça y est pour nous. Dans ça qui est pour avec question et sécurité. Ça qui est pour avec question ensemble de disposition. Et les nous venons tout avec ça qui dit, bon côté citoyen, yo. Qui a demandé. Pour que la sécurité, qu'a demandé pour que la paix dans le pays, qu'a demandé ça, qu'a demandé pour que la sécurité, qu'a demandé pour que la paix dans le pays, qu'a demandé un autre Haïti, qu'a demandé changement pour Haïti, qu'a demandé pour que de disposition, pour que de action posée pour résoudre la sécurité. Laisse-moi même avec Désir Venesse, les nous venons là, nous venons analyser, nous venons questionner. Nous venons aider à comprendre plus bien ce qui a passé dans le pays. Parce que je dis à lui, plus que important, plus que important pour que nous analyser, pour que nous garder, pour que nous questionner ensemble avec nous, ça gagne comme information. Ah oui, très très important pour nous garder, pour nous questionner, pour nous analyser,
Et pour nous réfléchir ensemble, pour nous ça gagner comme information. Et je dis, m'a dit que moi comprendre attente chaque haïtien. Moi comprendre attente chaque grain de monde. Et même si là qui dans diaspora. Ouais. Même si là qui dans diaspora, oui. Moi comprendre attente yo. Moi comprendre attente yo. Moi comprendre attente yo. Parce que je dis hein, ça que me veut qu'on comprenne que pas gagne un haïtien qui vive en Haïti, pas gagne un haïtien tout qui réside à l'étranger, qui est dans la diaspora, pour que ça qui passe à Haïti, hein, il pas gagne impact sur lui. Et si menti, n'est pas on a en bas émission ça dit menti. Et même moun qui prétend que même moun qui bay zam qui bay katouche avec jeune garçon et jeune femme sont dans ghetto hein, je dis on pas fouti dim que conscience pas calé yo, conscience pas reproché yo, parce que les a gardé pour 2 3 4 5 6 7 8 10 000 dollars américains que jeune garçon sa yo a détruit a boulé toute une population. Et ceci dit, nan moun y a touyé, nan moun y a violé, nan kay a détruit, nan bisi a boulé, yo pa fouti dim que quand même pa gen un proche yo, soit de près ou de loin, qui victime kap victime de action bandi yo, yo pa fouti dim pa gen ça. Yo pa fouti dim yo pa gen moun ki victime de ça. Et même les qui ont pas tagué un proche qui t'a victime de ça, soit de près ou de loin, mais les regardez que à conscience yo, yo est que dans qui état, dans qui situation que yo mettez pays ça dans armée de jeunes garçons en le ghetto, hein? Bon, c'est que les ont été faut de l'eau couler dans géo, les ont été faut que réfléchi pour yo dire ah nous fait pays ça ou gros tort. Ah, garde dans qui niveau nous mettez pays ça. Garde méchanceté que nous fait pays ça. Garde méchanceté que nous fait peuple ça. Moi c'est certain que vous dites ça. Moi c'est certain que vous dites ça. Ah oui. Parce que je dis hein, que dans gens que pays après aller là, presque pas été Haïti encore. Ah oui. Presque pas été Haïti encore. Et moun ki ap viv Haïti nan moman, y ap résisté. Et ben résistance et nèg viv ansanm yo non. D'ailleurs c'est eux même qui mettait pèt nan sa. Avec bon bandi ak cravate yo. Parce que les kèm nan de barbecue k ap di comme ça oh et viv ansanm ap fè résistance. Mais oui. Mais oui. OK. Faut nou fè résistance même monsieur. Faut nous faire résistance même. Parce que nous t'ai dit que nous avons fait révolution. Nous t'ai dit que nous avons crasé le système. Nous t'ai dit que nous avons crasé le système. Alors que nous connaissons vrai qui est-ce qui met le système. Nous connaissons qui est-ce qui s'est gardé le système. Nous connaissons qui est-ce qui s'est mettre le système. Nous connaissons qui est-ce qui s'est boué au système. Non? Et au lieu que c'est là pour nous aller, nous allons augmenter la situation moun qui c'est déjà victime système, non? Qui c'est peuple haïtien. Et ça nous fait là. Ah oui. Hmm? C'est même moun qui c'est victime système, non? Oui? C'est même moun qui jodi un système, non? Météo à genoux, système nan météo à zéro. C'est au même encore oui que même équipe vive ensemble barbecue c'est à la fois porte-parole et président la parler l'idilien. C'est moun sa yo encore oui que équipe sa mette à genoux. Équipe sa vient renforcer mette nan plus misère, nan plus calamité, nan plus souffrance oui et même encore oui.
Parce que je dis, hein, barbecue dit la palé. Ah oui, lycée Toro, il va mourir sa palé. Mais que barbecue palé? Il te commence à parler, il te commence à dire, mais qu'est-ce qui te relève ou l'air? L'état pral casse ici, l'état pral fait ça, mais que le continue à parler? Et je dis, hein, mes pouvoirs en place, non? Mettez campé sans mêlé, une commission de vérité. Ah oui? Je mettez campé une commission de vérité. Bah oui? Eh bien, commission de vérité, ça, qui gagne plusieurs membres là-dedans, et parmi membres et présidents, gagne Gadi Maisonneuve, qui c'est un défenseur des droits humains, responsable de Sainte-Carl Levesque. Mais que je dis, hein, tout bandit criminel à sa patte, qui parle avec la commission de vérité, hein, pendant déposer les armes, il a rentré sur l'autorité, et il a parlé avec la commission de vérité. Il a dit, mais qui est-ce qui va aux âmes? Mais qui est-ce cette personne? Mais qui secteur? Mais qui groupe qui va aux âmes? Et je dis, hein, qui veut mettre le pays en un niveau que est là? Parce que laisse à pays en tape qu'on est qui est exactement. Ok? Pays, hein? Société, hein? Il tape qu'on avec qui est-ce qu'on a fait. Mais tout autant que c'est dit barbecue a dit. Et s'il a dit ça, l'a dit ça. Mais tout autant que barbecue c'est comme ça lui-même l'a parlé l'a dit. M'a seulement dit que ça que barbecue a dit yo, ça que barbecue a parlé yo, yo pas gain rien de vérité parce que pour ça pas tout dit yo. Tout dit c'est Jean, tout dit c'est Pierre, tout dit c'est Jacques. Et commission vérité en tout les sem dit nous. Faut nous al parler tout avec et commissaire moun qui était dans CNDDR là, les gens rebelles d'Orsena mettez avec de l'autre moun qui dans CNDDR qui fait partie CNDDR là, yo important pour nous parler avec yo, yo important pour nous parler avec yo parce que yo connaît qui est moun, yo connaît qui est groupe qui bay zam avec monsieur Sayo, yo connaît. Yo kon qui est-ce qui bay zam? Qui est-ce qui armé jeune garçon sa dans ghetto? Des jeunes rebelles dans Sénat dit sur plusieurs médias gay au moins 11 à 12 familles qui ne commettent zam en dans pays. Mais qui est 11 à 12 familles ça yoyé jusqu'à présent nous pas connaît. Mais par contre qui est yoyé? À part d'une famille comment là qui ça m'a songé qui ont été arrêté mais à na question bagay sa a pas de prêtre l'église anglicane a pas de quatre pasteur qui ont arrêté dans question conteneur zam k'ap entre ça en dans pays et après ça ça suffit est-ce que ça suffit pour que c'est seulement moun sa yo qui jwenn arrestation yo c'est seulement moun sa yo pour nous dire que qui est responsable de la situation haïtienne qu'on est là, je ne sais pas, c'est Mounsao seulement qui est responsable de la situation haïtienne qu'on est là. Moi, je doute très fort que c'est à Mounsao seulement. Je doute très très fort que c'est à Mounsao seulement. Et je dis, hein, si vraiment nous besoin qu'il y ait une solution, nous besoin qu'il y ait une solution avec question et sécurité, l'important pour nous faire appel,
li important pour nous dire clairement que tout secteur, que tout acteur, que tout groupe organisé qui est engagé dans coller ses épaules, qui est engagé dans faire coude à coude pour qui je qui façon pour yo aider dans résoudre ça qui là comme insécurité, aider dans résoudre ça qui là comme situation, aider dans résoudre ça qui là comme problème. Parce que sinon, quel que soit tes journalistes, quel que soit tes citoyens, dans quel que soit secteur que sortiant, on a toujours rester dans dimension pour dénoncer, pour critiquer, pour demander l'État, pour demander autorité, pour demander bandi à sa patte, pour demander bandi à cravate, libérer pays ça, ba pays ça une chance. Est-ce que vous comprenez? Je dis, hein, moi, je veux que. Ok? Je dis, hein, moi, je veux que. Chaque monde comprenne. Que chaque secteur comprenne libérer Haïti, hein? Changement Haïti, hein? C'est engagement moi-même, engagement désir, engagement toute équipe mais sac nouvelle, hein? Engagement tout secteur. Engagement peuple haïtien, engagement si là ou qui dans diaspora, engagement tout pour nous forcer, pour nous demander avec communauté occidentale là. Ah oui, faut demander où ça, communauté occidentale là, que yo tout ensemble, que yo mette yo, que yo prend de engagement, que yo prend responsabilité yo, n'a permettre que n'a aider résoudre, yeah. N'a permettre et n'a aider résoudre ça qui est là comme situation insécurité. Mm-hmm. Parce que je dis, hein, plus gros fléau qu'a manger société, hein, plus gros fléau qui mettait Haïti à genoux et qui je dis, hein, là fini avec tout espoir jeunesse là qui gaspille avenir pays là qui déjà commencé passer dans bêtise dans rance espoir si moun yo je dis hein m'blé que nous comprendre je dis hein m'blé que chaque secteur comprenne que Haïti ça que nous voyons, que vous voulez reconnaître comme pays ou vous voulez reconnaître comme nation, comme haïtien ou bien haïtienne, et bien on fait effort pour nous retirer Haïti ça dans calamité, dans souffrance que l'il y a. On fait effort ça pour nous retirer Haïti ça dans souffrance, dans calamité qu'il trouvait journée jeudi. Et me croit que débigé volonté, hein? Ah oui, débigé volonté, hein? N'a retiré Haïti ça dans misère, dans souffrance, dans ensemble problème que la connaît là yo. Volonté seulement pour nous gagner. Hmm? Volonté seulement pour gagner. Et les bigues volonté, hein? On met quand même la retirer là-dedans. Je dis hein, bravo, en plus, mon abdi, avec haïtiens qui aux États-Unis, soit qui dans diverses villes,
dans divers states aux États-Unis qui décidaient eux-mêmes prendre au sérieux ensemble de propos, ensemble de discours, ensemble de déclarations discriminatoires, dénigrement qu'a fait contre haïtiens qui vivent mais qui résident aux États-Unis. Et je dis hein, ça que me que en plein là nous comprendre. C'est pas première fois que déjà de discours ça selon si nous dans l'histoire, si nous aller archive. C'est pas première fois non. Déjà de discours ça yo qu'a fait contre noir et contre immigrants ici aux États-Unis. Dans les années 90, nous songez que ce pour 10 maladies sida, bagay ça. Non, histoire ça. Et plusieurs millions noirs mettaient immigrants presque haïtiens en pile dans yo. Tu prends la rue. Nous songez ça. Gros manifestation dans New York, gros manifestation aux États-Unis.